C'est le 28 février 2008 dans une ville du Québec. Nathalie Saint-Ange se dormit dans sa lit pour la dernière fois avant Louis part pour l'Afghanistan. Louis est dans le milieu d'un mauvais rêve. À l'aéroport, Nathalie se trouve son petit ami. Salut, Nathalie, je vous ai manqué. C'est trop que j'ai vu. Comment ça va? Oui, Nathalie. Vous allez combattre dans une gare. C'est normal d'être nerveuse ou paniquée. Non, je n'ai jamais été mieux. Honnêtement, j'ai peur de ce que les gens vont penser de nous. On peut placer nos enfants en premier. Quand on retourne à la maison, on peut retourner à normal. Vous pourrez le faire pour moi? Merci. Oui, je pourrais le faire parce que je t'aime. Au Canada, j'ai retourné. J'ai vécu que je vais être une bonne soldat. Chère maman, j'ai décidé d'enregistrer pour l'armée. J'ai quitté l'école à l'âge de 14 pour supporter vous, mais je n'étais pas capable d'avoir un emploi pour un long temps. Tu me dis toujours que je suis petit et incapable de faire rien, alors je pars pour l'armée. Il me dit que je peux te donner à une partie de mon salaire. Tu vas toujours avoir de l'argent, l'argent pour le loyer. Je suis fière de moi pour venger quelque chose et pour devenir un homme pour supporter ma famille. Au revoir, Louis. Nathalie arrivait en Kandahar. La vie est toute brune. Les uniformes de soldats sont bruns comme les bâtiments de ville et la terre. Pas comme le Canada. C'est vraiment comme un pays de guerre. Mais il y a une importance, donc je peux acheter mon cappuccino favorite. Help pour notre première mission tout de suite. Préparez-vous. Nathalie a besoin de parler à quelqu'un. Elle a trouvé René. Sérieuse, Nathalie, on y est pour vrai. C'est beaucoup plus sérieux que la dernière fois. Priorité toi! Nathalie est dans l'ambulance en route pour sa première mission. Bah, pas encore trop mal. J'ai de confiance. C'est le 23 avril 1915 et Louis se commence l'abrutissage. Entendu que l'ennemi en attaquait nous avec les gaz de chlore, j'ai entendu qu'il y a des grosses noix jaunes tout partout et que leur masque ne fait rien. Non, c'est horrible. Pourquoi est-ce que les personnes pourraient être trop mauvaises? La prochaine jour. Est-ce que tu pourrais partir pour l'armée avant qu'on me dise au revoir? Tu es fou, Louis. Hey, papa, c'est une bonne surprise. Quand je reviens, au revoir, fils. Je suis fière de vous. Nathalie, René et leur équipe sont en route pour la troisième mission. Ils sont 20 minutes de camp et l'ennemi leur a attaqué. Un missile frappe le char de René. Non, je ne peux pas te perdre. Tu ne peux pas me quitter. Toi, calme-toi, la recul. Nous allons le sauver ton beau capitaine. Pas de paniquer. Blessé? Steve, Louis est blessé? Nathalie, n'inquiète pas. Je sais juste des bleus. J'ai peur pour toi, René. Je suis si heureuse que tu ailles bien. Je t'aime, René. Nathalie se préparait pour une mission ou une clinique médicale dans la ville. Rester ici. C'est trop dangereux pour toi. Je ne pourrais pas me défendre. Chez nous, tu jamais, vous, moi, une petite fille. Ce qui donnait... Inquiétude de vous. Promets que vous aurez précautionnement. Nathalie va aux villes pour la mission et quand elle aidait les personnes, elle rencontrait une infirmière qui s'appelle Farida. Je suis Farida. Et toi? Nathalie.